Salut YouTube, c'est Akira et on se retrouve sur Crazy Taxi sur Android. C'est téléchargeable gratuitement. Alors sur iOS, je ne sais pas, mais en tout cas là, je l'ai téléchargé sur Android. Voilà, j'ai mon petit taxi, donc on achète un petit taxi et on va faire des courses de taxi, donc comme dans Crazy Taxi évidemment. Sauf que ben c'est pas comme sur Dreamcast pour ceux qui se souviennent de Crazy Taxi, c'était un super jeu quoi sur Dreamcast. Après, on peut pas lui en demander non plus énormément parce que ben, il est gratuit. Bon, moi j'aurais peut-être mis même un petit peu d'argent pour avoir le même jeu que sur Dreamcast, c'est dommage. Mais en tout cas, regardez, ça reste fun, c'est toujours aussi délire. Et puis pour passer 5-10 minutes dans les transports en commun, ça passe bien ce jeu finalement. Donc c'est parti, ma première course, donc c'est parti. Regardez, je clique à droite pour tourner, je clique à gauche pour tourner à gauche, et je clique à droite pour tourner à droite. Quand je dois prendre une rue, par exemple, je peux prendre n'importe quelle rue, il faut que je laisse appuyer, le taxi va se mettre à déraper, je vais vous montrer. Donc je suis obligé de suivre la flèche en fait. Si je ne suis pas à la flèche, ils vont me dire de faire demi-tour. Et du coup, je perds du temps. Voilà, là je vais tourner, hop, et je lâche dès que je veux que le taxi tourne, en fait. Tout simplement. Oh là, c'est n'importe quoi. Après, j'ai mon petit boost là sur le côté. Et quand on arrive dans la zone définie, on appuie comme un malade sur l'écran. Et on est arrivé. Donc, c'est reparti pour la deuxième course. Et le but, en fait, c'est de toutes les faire dans le niveau. Et de ne pas perdre de temps, évidemment, pour pouvoir arriver à toutes les faire. Et c'est pas en se prenant un tramway de face que ça va m'aider. Du coup, en plus, j'ai plus de boost, du coup, ça va être chaud peut-être pour arriver jusqu'au bout. En tout cas, voilà, les musiques sont vraiment cool. Hop, je laisse appuyer. Bon, Chinatown. Oh, j'arrive juste. Voilà, j'ai fini. Moi, bon, c'était un niveau pas très difficile en fait. Après, ça fait. Hop là, le petit ferme, on peut la passer si on veut. Après, évidemment, la difficulté fait en augmentant, mais bon, pour le moment, voilà. On débloque au fur et à mesure des missions. Et pareil, on peut créer. Merde, il y a de la pub, je suis désolé. On peut pas. Le jeu est gratuit en même temps. Voilà, il y a de la pub, c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut personnaliser, on peut changer de taxi, etc. Alors les améliorations, voilà, ça améliore le moteur, ça améliore la carrosserie, la puissance du turbo, les pneus, etc. Voilà la carrosserie. Donc moi j'ai que 2005 pour le moment parce que j'ai amélioré en fait le moteur tout à l'heure, juste avant de jouer pour avoir une voiture un peu plus puissante. Donc je vais vous montrer notre niveau de difficulté par exemple ce niveau là où on va aller ici. Hop. Faire le plein. Ah, je suis à sec. Ah, ben, j'aurais jamais dû jouer en fait avant de vous faire la vidéo. Comment je fais? Ah, il faut faire un plein gratuit. Ouais, j'aimerais bien faire un plein gratuit moi. Ah voilà, j'ai fait un plein gratuit. Donc c'est parti. Ah, sinon après il faut regarder une pub ou alors il faut payer en fait 4 euros ou je sais pas combien. Non, là, je paierai jamais pour ce jeu là les gars. Allez, je fais une dernière petite course et puis voilà, je vous laisserai sur cette vidéo. Crazy Taxi, donc hop. Avec les musiques vraiment sympas, une ambiance à la Crazy Taxi finalement. Mais sans être vraiment le jeu original. C'est dommage, mais en tout cas, bon, c'est un jeu de Sega. Et il a le mérite d'être gratuit. Et personnellement, maintenant on est un peu habitué à avoir des jeux gratuits avec des publicités entre chaque temps de chargement, mais du coup moi ça m'embête pas du tout. Hop. Il faut éviter de se prendre un max de voitures parce qu'en fait. Putain, j'ai mis le turbo juste à la fin. Il faut éviter de se prendre un maximum de voitures parce que les voitures ça vous ralentit. Et là il me reste 14 secondes pour arriver finalement au prochain passage et du coup je pense que je vais pas y arriver. Ah merde, je suis dans le mauvais sens. Ah, je suis à quoi, quelques mètres. Ah oui, j'y suis. Ah ben j'ai réussi, voilà, c'est bon. Bon, on finit en beauté en tout cas.
Voilà, je vous laisse sur ces petites images de Crazy Taxi. Il y a un petit sous-titre en dessous, je ne sais plus ce que c'est. On va juste aller le voir. Juste aller sur la page d'accueil. On va encore, on se tape une pub de pâtes. Où est-ce que c'est la page d'accueil? Parce que c'est Crazy Taxi, mais il y a un autre titre avec. Bon, enfin bref, vous le téléchargez, vous verrez, c'est le seul Crazy Taxi fait par Sega. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!